Salut les amis, c'est Bigouf, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Tank Beats. Aujourd'hui, nous allons parler de la Résistance, qui fait partie de la saison 3, hein, donc qui se fait surnommer Résistance. J'ai inversé les mots, mais c'est pas grave, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va en parler, pourquoi ? Car nous avons trois chars qui peuvent être débloqués. Nous avons un tier 7, un tier 8 et un tier 9. Alors, on va regarder un petit peu très rapidement ensemble. Hein. Il suffit tout simplement de lire et puis c'est marqué. Hein. Donc, obtenez des espèces de carrés, donc des extraits, et échangez-les contre des chars de la saison et des améliorations de chars. Comment les obtenir ? C'est très simple. Soit vous achetez ou vous avancez dans le pass de combat, comme vous le savez. Hein. Donc, pour le mois de mars, on peut obtenir, si vous achetez bien sûr le pass de combat, vous pouvez obtenir jusqu'à 3900 extraits. Ensuite, au niveau des événements et des quêtes, c'est sans limite. Bonus des achats dans la boutique, sans limite. Donc, vous l'avez compris, hein, moi, j'ai avancé grandement du fait que quand j'ai acheté des packs, comme pour le Cobra, etc., vous avez toujours des extraits dans la boutique. Donc, forcément, ça va vous avancer dans cette saison 3 vachement... très rapidement. Ensuite, nous avons des limites hebdomadaires, comme c'est marqué. Hein, pour les missions de clan, on peut atteindre jusqu'à 320... par semaine, et ensuite il y aura les batailles cotées et les tournois que vous pouvez obtenir jusqu'à 500. Alors après, c'est très simple, pour les améliorations, bah, c'est exactement la même chose, hein, pour, là si on prend le cas pour le premier, hein, donc le fameux tier 7, là comme vous pouvez le voir, je suis absolument à fond, ça sera en achetant des choses soit directement dans la boutique, hein, dès que vous allez dans la boutique, vous le voyez de toute façon, je prends un exemple, je vais prendre celui-ci, les méga conteneurs, yeah, et si vous les achetez, voilà, donc vous dépensez 59,99 et vous aurez 9750 extraits en plus, donc qui vont s'ajouter directement dans cette saison. Allez, on va très rapidement faire le tour de ce char que je trouve, mine de rien, assez sympa. Franchement, faut pas cracher dessus. C'est vrai que quand il y a quelque chose qui est dégueulasse, faut savoir le dire. Mais quand quelque chose est bien, faut savoir aussi exactement le dire. Anya, t'as compris. Bon, allez. Alors, bien sûr, on va me dire, mais pourquoi t'en as choisi deux, Bigouf? Bah, tout simplement pour vous montrer, parce que le Chariotie est, en gros, bah, la copie conforme. Non, c'est le Silencer qui est la copie conforme, entre parenthèses, au niveau de son design sur le Silencer. Hein. Voilà, sauf qu'il ne faut pas oublier, le Silencer est un tier 7. Le Chariotie, lui, est un rang 8 que vous pourrez choper gratuitement dans la branche Royaume-Uni, hein, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc, ça reste quasiment les mêmes, hein, sauf que là, la différence que vous aurez sur ce fameux Silencer, hein, ça sera déjà un collector, donc... ça veut dire que si vous le revendez, ça sera converti en pièces d'or. Hein, vous aurez les crédits pour les provisions, les consommables. Mais bon, attention, je ne vous conseille pas parce que c'est maximum 500 pièces d'or. Hein, si on va très rapidement voir pour le vendre, voilà, seront remboursés 500. Donc personnellement, gardez-le, ça fait un petit char tranquille. En plus, il est collector, c'est mignonnet. Allez, on va regarder très rapidement. Alors comme vous le savez, hein, c'est comme le tier 8, il n'a pas de blindage. On peut voir que la tourelle, on est à 78, 52, 32, donc 52 sur les côtés et 32 à l'arrière. Ce niveau de son châssis, c'est pas mieux, 92 à l'avant, 48 pardon, sur les côtés et 32 à l'arrière. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Dégâts par minute, on peut atteindre les 2291. On a un barillet par contre dessus, à 2 obus. Comme on peut le voir, le temps de rechargement total du barillet va être de 13 secondes 74. On a un temps de rechargement entre les deux obus qui va être de 2 secondes 50. Donc faites-vous pas avoir avec ça. En termes de pénétration, bon après ça c'est à vous de voir. Et puis voilà. Allez, moi ce que je vous propose les amis, c'est de partir en game. On va voir un petit peu. Je vous cache pas que là les équipes c'est catastrophique. Je n'arrive pas à vous faire une belle partie. Hein. Donc on va tenter de, avec cette partie, de croiser les doigts. Bien sûr, on ne pourra pas partir en bataille réaliste parce que ce char n'est pas du tout réel. Hein, voilà. Quoique tu me diras, oh, il te dira son camouflage au pire. Ouais, bon, enfin bref, c'était comme ça. On va partir en bataille standard. Comme vous le savez, j'ai activé l'impromptu et la suprématie. Et on est parti avec ce fameux Silencer. Et je vous dis à de suite. Si c'est trop long, je ferai un petit coupage. Allez, à tout de suite les amis. C'est bon, on a trouvé une partie, en plus on part en impromptu, absolument, nous sommes top tier, absolument, mais c'est bon ça. Ok, allez, on va voir un petit peu comment on va se dépatouiller avec ce fameux Silencer, hein, qui se fait surnommer. Alors je suis pas pressé de vous faire les autres tiers, parce que vu le nom qu'ils ont, ça va être assez compliqué. Bah écoutez, moi je vais déjà voir ce que la team va faire. Allez, c'est parti. Ouais, bah écoutez, moi je vais aller par là. Alors n'oublions pas, c'est un TD, hein, donc si vous campez avec ce type de char, bon bah voilà, vous l'avez compris. Hein. Par contre, ah, j'ai eu peur, je croyais que... Enfin, quoique moi j'ai pas envie de camper.
Moi, j'ai envie d'aller spotter, moi. Allez, je vais aller spotter tout ça. Ah bah tiens. Ah bah en plus, c'est moi qui l'ai spoté. Et moi aussi, je me suis fait détecter, du coup. Alors, attends. Je vais faire gaffe là, parce que j'imagine que nous avons des copains. Ouais, mais attends, Bibi, là. Faut pas que tu fasses le... Pas que tu fasses n'importe quoi, là. Parce que là, je sens qu'il y en a un qui... Tiens. Ah, oh, je m'en serais douté. Alors, attends. Je reste méfiant ici. Tiens, regarde. Ah, regarde. Attends, j'ai pas d'impression. Ok, il y en a deux là-bas. Est-ce que je pourrais éventuellement... Attention. Ici. Non. Ok, bon. Par contre... On va pas rester là. Tiens, je vais aller donner un coup de main à la RL. Ah, tu me diras, qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, il rush là-bas. Est-ce que... KV3, il en prend plein le cucu. Oh oui. Reste là. Oh oui, ça c'est bon. Chut. Ok. Oh merde, attention. Je vais peut-être m'en prendre une. Non, c'est bon. Ok. Lui, il est où, lui? Il est là-bas, il vient de tirer. Ok, à mon tour. Hein? Ouais, t'as vu un peu? Tiens, mon j'aille ça, vilain! Oh, joli! Ok. Bon, ça, il fallait s'en douter. Mais en tout cas, il a bien joué. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je pourrais peut-être aller rusher. Oh, vas-y, je vais me faire lui, là. Ouais. Oh non, j'ai raté, j'ai tiré dans le canon. Je suis trop bête. Mais non, mais l'autre, il passe devant, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, vas-y, laisse-moi-en un, s'il te plaît. Non, laisse-moi-en un. Allez, laisse-moi-en un. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir avant? Allez, non, j'ai pas le temps de recharger. C'est dégueulasse, j'en ai même pas eu un. Bon, allez, on va pas se plaindre, on a fait une victoire. Je suis content, mais je suis dégoûté, j'ai même pas eu un char. Ok, 1935 de dégâts, une classe 2, ça fait plaisir. J'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Ok, 85 000 en crédit. N'oublions pas, comme je vous le dis souvent, les chars collector, c'est comme les chars premium. Vous allez avoir plus de crédit, sachant qu'ils vous coûtent moins cher en termes de réparation. On est top dégâts, donc ça fait zizi. Ok, bon, bah écoutez, hein. Ce que je vous propose, les amis, c'est de repartir sur une deuxième. Et je refais la même. Si c'est trop long, on se dit à tout de suite. Ah bah non, pas besoin. Bon, ça c'est cool. Donc j'aurais eu besoin que de couper juste la première partie, parce que ça a été un petit peu longuet. Ok, donc toujours top tiers, ça c'est cool. Toujours en... Eh, c'est... Oula, il a envie de me faire plaisir ce soir. On repart en bataille impromptue. Enfin, en... Oui, en bataille impromptue, ouais. Non, moi par contre, je vais pas me mettre là. Attends, je te laisse passer. Je vais rester vigilant. J'imagine que les légers vont peut-être partir de ce côté-là. Alors, ok. Ah bah non, en plus j'ai dit une connerie, tiens. Ouais, mais là, par contre, j'ai intérêt... Alors, attends. Ouah ! Qu'est-ce qu'il fait déjà là, lui ? Oh là là ! Eh, les gars ! Aïe ! Oui, bah ça, c'est sûr que j'allais la prendre dans le cul. Ici ! Allez, vite ! Oui ! Allez, vite ! Coince-le ! Oui, c'est bien ça ! Allez! Ok! Découpage de tourelle. Ok, on va tenter de passer au suivant. Toi d'ailleurs, tu m'en as pas. C'est pas toi qui m'en as collé une là-bas? Oh, je l'ai passé dessus, je crois pas. Ah, par contre, celle-là, je la sens pas. Oula, on est en train de se faire laminer là, dis donc. Pas bon ça! Allez! Aïe! À moi! Oh, mais t'es sérieux là? Ok! Qu'est-ce qu'il fout, lui? Oui, il arrive pas, par contre. Hein. Tu me dis, oh, moi, je suis en galère aussi. Oh, c'est les mecs, ils vont pousser, là, comme des porcs, bien sûr. Oh, tu boules. Ok. Toi. Ah, je suis foutu. Non, je suis... Oh, bien joué. Bon. Par contre, le M6... Ah, attends, par contre, moi, il faut... c'est tendu, quand même, là. Oh, tu me diras, lui, on peut peut-être le... Allez, je vais peut-être essayer de l'avoir. Oui. Ok. Attention.
Oui! Oh, c'est beau! Ah, si on arrive à se faire une rep... Oh non! Non, ah bah je suis dans la merde. Non, je suis dans la merde, je suis tout seul. Tu me diras le challenger. Est-ce que je... Oh, je vais tenter. Je vais tenter. Alors attends. Ouais, mais non, non, non. Qu'est-ce que je fais là? Ça va peut-être venir par là. Il faudrait que je laisse le challenger venir. Normalement, je crois que je peux le sortir en un tir, le challenger. Je vais... Alors attendez. Ah, il le v'là, tiens. Oui! Non, je l'ai pas! Non, non, ah, tu m'en fous. Allez! Oui! Oh, je m'en fous, j'en ai eu 4! Oh, c'est trop fort. Ah, ça, c'est bon, ça. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu avoir le KV13, il était full vie. Enfin, quoi que si, j'aurais peut-être pu, mais j'ai pas réussi, parce que j'étais mauvais. Ah, mauvais, quand même, 2435, Eh, une classe 2 avec une défaite, moi, j'ai envie de te dire, c'est pas si mauvais que ça, hein. 94 000, ok, je suis content. Ok. Voyons voir un petit peu l'équipe. Bon, malheureusement, ah, le M6, il a quand même bien joué aussi, hein. Oh, la vache, 2. Ah oui, par contre, oh, le platoon, toi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était le platoon de l'enfer. Fais voir un peu lui. Oh ok. Et fais voir le platoon qu'ils avaient en face. Ah oui, d'accord. Ah ouais, le platoon complètement... Attends, non, en plus j'ai dit une connerie. Si, c'était eux. Donc t'as... Ah ouais, ils étaient... Ouais, mais attends, je... Ouais, bon, enfin bref, on s'en fout. Ouais, non, parce qu'en fait, il y avait deux platoons, je dis une connerie, donc je préfère rien dire. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, il y a une victoire, il y a une défaite. C'est pas mal. En plus, on a réussi à une classe 2. C'est la première que je fais en vidéo. Voilà, alors par contre... les amis, bah maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. On se retrouvera très bientôt pour, bien sûr, parler du prochain char. Hein. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne vais pas réussir à le dire pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, voilà, on était sur le Silencer. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous, vous appréciez ce char ou pas. Parce que personnellement, on aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, c'est chacun ses goûts. Je ne vais pas dire que j'aime bien, je ne vais pas dire que j'aime pas. Il faudrait que j'apprenne vraiment plus à le jouer. Parce que comme on l'a pu le voir, de toute façon, il n'a pas de blindage. Mais j'ai envie de te dire, en tout cas, en termes de dégâts, quand on est top tier, ça peut être vraiment intéressant. Bon, après, comme tous les chars, en général, quand t'es top tier. Bon, après ça, voilà. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis, bien sûr, à très très vite pour une prochaine aventure. Portez-vous bien, les amis, et à très bientôt. Ciao, ciao.